Bon, causez-moi des chaises. Mettre prends chaise ou mettre chita. Nous allons causer. Est-ce que réellement Moïse Jean-Charles accepte vous et représentant dans le CARICOM? Ça veut dire dans le conseil présidentiel là. Question pour un champion. Posez-vous là. Pas affolé ou mettre relax. Nous allons parler. Arab annonce date pour installer Guy Philippe dans le palais national. Est-ce que c'est Arab qui décide d'y causer parle ou bien son bagage qui sorti en d'un bord petit en d'un bord Guy Philippe et pas oublié Arab c'est nèg qui te gon place de choix bon côté Guy Philippe monsieur te campé à droite Guy Philippe sous char sous on dit sous choc sound le Guy Philippe t'a fait campagne t'a fait mobilisation t'a annoncé moun révolution on songe bagage ça ça veut dire si Arab quand elle font déclaration, s'il dit maintenant qui date Guy Philippe pour l'installer, assurément, monsieur, il y a une information de ça, il dit. Assurément, monsieur, bien informé, en Valvin Diou Salabdoula. Et ceci, en attendant nous. Monsieur, doué connaît s'il font déclaration qui est erronée. Ça veut dire, s'il prend un engagement pour Guy Philippe, il connaît ça qui arrive. Monsieur prend engagement quand même, il fait déclaration. Est-ce que monsieur n'a menti? Ou bien est-ce que y a des bagay qui a préparé là? Mettre posé ou n'a pas venu. Parti aidé qui te voyé Marie-Ghislaine Mon premier dans le conseil présidentiel là. Yo retiré Marie-Ghislaine Mon premier, yo remplacé par Dominique Dupuy. Dominique Dupuy c'est représentant permanent Haïti dans UNESCO, ça veut dire dans Nations Unies. Donc c'est lui-même qui pral constituer créer un conseil présidentiel, désolé. Comment Pétionville yé dans le moment par la voilà? Toute activité au point mort. Comment activité yé côté ma par la voilà? Toute activité au point mort. Plusieurs quartiers dans Pétionville, yon dormi sous coup de balle, yon levé sous coup de balle. Doko, Métivier, et Colette, Mayotte, zone sa yo, c'est zone côté ma parle ensemble avec ou la, un yé pas certain. Ou Delma, Delma 95, Delma 83, Delma 77 et autres. Voilà, yo. En pile tension. Et il y a un policier qui perdu la ville dans Delma 72. Ou te apprenne ça comme information, pas vrai? Ya. Bandi a frappé. Bandi a frappé. Et puis nous-mêmes, nous avons et pas ça. Comment nous y est? Fanatique Haïti réflexion, nous sommes contents de la caille nous. Même si situation difficile, même si nouvelle yo pas rassurant, j'aime toujours dire, mais est-ce que nous capable informer ou? Est-ce que nous capable passer nous pour ne pas dire ou mais ça capable passer dans l'actualité là, mais ça capable passer dans politique là? Moi Jean-Charles, monsieur continue faire manifestation. Monsieur prend engagement. Monsieur juré, il dit lui même l'a fait échec à conseil présidentiel 7 membres ça, conseil et couleuvre 7 tête là. Songez, monsieur, t'es mon place dans le conseil présidentiel là. Et bien, vous avez une information que vous avez partagée ensemble avec vous là. Moïse Jean-Charles, parti Petite Dessaline, t'es figuré parmi parti politique que Nations Unies ou bien CARICOM t'es validé qui capable de faire partie du conseil présidentiel là. Mais pas CARICOM, nous avons d'accord comme nos Petite Dessaline. Vous avez même, il va gagner ou pas qu'on est. C'est pas carré comme de leur gré, non? C'est là où ici même. Là où ici, qui c'est un pays qui, on dit, qui hostile là avec États-Unis, etc. Yo peut-être te consulter là où ici. Là où ici, bah yon place, li bah yon possibilité pour que le parti petit de Saline de Moïse Jean-Charles li présent dans le conseil présidentiel là. Ou de Konzari. Maintenant, puisque là où ici, bah parti petite de Saline possibilité ça et puis on dit et la Russie nous connaît droit de veto li gagner li censé imposer et puis pas gen problème yo d'accord Moïse Jean-Charles mais kounye a gon problème ou a gon bruit k'ap kouri là qui dit Moïse Jean-Charles monsieur voye représentant monsieur font conférence de presse qui là monsieur fait conférence de presse mardi et puis en mercredi bruit kouri dit monsieur voye représentant nan CARICOM. Kounya, qui sa ki sou tabla la kap negosye?
Yo dit moi Jean-Charles mon cher Timoy écoutez. Oui, nous avons, ça c'est la Russie. Il dit Timoy nous avons. Mais si vous montrez support indéfectible à Guy Philippe. Si vous montrez support indéfectible avec groupe gang ça yo, nous ne doit pas ka koré ou. Nous ne doit pas ka bon korob. Nous ne doit pas ka camp ensemble avec ou. Nous ne doit pas ka supporter ou dans prochaine élection qui vient là yo. Ou quoi comprendre ça qu'a dit yo? Donc c'est une raison qui t'a expliqué mesdames messieurs virement ça de Moïse Jean-Charles. Si c'est vrai, comme ce Poko démenti. Parce que information fait quoi Moïse Jean-Charles voye représentant. Monsieur voye non, monsieur soumet non représentant dans CARICOM. Ça veut dire côté m'a pas la voilà Moïse Jean-Charles gen non moun ni. Et yo même gen bay non. C'est un juge yon ancien commissaire mon quoi et des gonaïves bon chercher information bien pour parce que on est déjà nous même information n'a ba ou voilà monsieur il est Emmanuel Vertiller c'est monsieur qui t'a dû à le représenter petite Dessalines monsieur c'est ancien juge d'instruction au Cap Haïtien c'est monsieur qui t'a dû à le représenter petite Dessalines. Est-ce que c'est vrai? Moi Jean-Charles, il y a une explication tenté bail, je dis bien tenté bail. Monsieur dit tout ça qu'a dit là c'est tractation. Je dis comme petite Dessalines, c'est une sorte de plateforme liée. Donc c'est peut-être une entité qui fait partie de plateforme donc voyez un représentant mais c'est pas lui même Moi Jean-Charles qui voyez. Ça monsieur dit à ca sensé. Ça monsieur dit à ca gien sens li. Mais est-ce que c'est ça livré? Est-ce que Timon est pas caché nous en bagaille? Quand pile causé oui. Et si c'est ta vrai? Et si moi t'a décidé faire coubla? Sous dicté la Russie. Et si Timon t'a dit bon OK puisque là parce que la Russie a c'est un allié monsieur t'a dû gagner là que monsieur t'a dû compter sur lui si toutefois t'a voulu gagner élection vraiment. Comprenez bien. Donc c'est ça qui t'a expliqué position monsieur. Mais monsieur nie ça, monsieur dit pas vrai. Et parce que comprenez bien nous dit moi Jean-Charles fait conférence de presse mardi et puis mercredi non monsieur Geta associé etc. Bon faut attendre une et bon faut ouais intervention monsieur parce que t'es grand pile causé que t'as dit et moi Jean-Charles prend engagement dit la fait échec avec conseil présidentiel ça etc. grand pile causé parler en pile causé. Moi invite au suivre, moi invite au tendez et garder également Moïse Jean-Charles qui prend engagement devant tout le monde. M'a regardé dans conférence de presse ça, écoutez, Moïse Jean-Charles, monsieur était leader qui plus populaire là. Vous pouvez dissoudre, mais vous avez tout problème avec elle. M'a regardé dans conférence de presse monsieur. Quand c'était journaliste qui présent, médias en ligne etc., et m'a regardé également des journalistes étrangers pas qu'à jeune place li obligé monter son tête caille pour le prendre monsieur en image c'est pour petit bagage non et pas petit action non bon faut attendre Moïse Jean-Charles I'm going to go to the hospital.
Papa ici, maintenant, on est sur la route.
si fois comme si nous disons faire des ensemble. Nous allons pousser les gens. Vous voyez, mes unions, c'est ça seulement même. Sous des systèmes de chasse, nous allons pousser les gens. Et ça seulement, mais après, c'est pas grave, on va dire encore. Et nous, c'est quand il y a un blessé, et la plaignée, il dit qu'il y a un blessé. Alors, c'est dans la cour révélée, dans la révélée, il y a un blessé. Comment on comprend une situation ça? Comment on comprend une situation ça? C'est quand il y a un plaignée qui est blessé. Non, c'est complètement même, il faut gagner, Parce que si la chasse est en tête, nous ne pouvons pas chasser, mais nous sommes en tête. Merci la presse, je ne parle pas trop. Kounya la, je ne dis rien. Son situation catastrophique est devant nous là. Parce que ouais là, on t'a parlé de Locke. Ouais, trois mois Locke nèg opposition au tébay là. Il est pas rien devant ça gien là. Trois mois Locke ou songe en 2019. Il est pas rien en comparaison à ça n'a vive jodi là. Moi l'explique pour qui samedi là. On connaît nous toujours une explication à ça nous dit. En 2009, pays Locke, tout Locke ou tant de pays a été Locke, là, t'es une activité. Moun te kon sorti, y'a l'va qui n'a occupation, pas de gen l'école. Ok? L'école pas de fonctionner, conseil de bureau, l'État qui pas de fonctionner, mais t'es une activité. Gete ou te toujours fonctionné correctement. Commerce te au ralenti, mais ou te fonctionné. Mais moi, je dis à côté ma parole, voilà. Les activités sont au point mort. Toute activité côté ma pas la voilà censé bloquer zanmim c'est soit doit qu'on est et bagay aussi empiré à Pétionville son situation catastrophique sans précédent gen moun kap gade Pétionville kap songe Pétionville li a gen moun ki kriye pou sa lwèk gen Pétionville pou sa kap pase nan Pétionville côté ma pas la voilà. Pétionville s'est dormi en bas coup de balle, réveillé en bas coup de balle. Non bare ça, gen un chef de gang et Makandal. Monsieur yo fraîchement installé monsieur nan quartier Bristou. Mais population hein. Kembe monsieur, yo poussé monsieur Boakale, yo mette du feu sous monsieur. Et selon toute information, yo t'a tué n'importe 4 à 6 soldats ensemble avec monsieur. Parce qu'on connaît, le chef gang yon installé a toujours des soldats ensemble avec yon pour bailler aux sécurité. Ok? Mais yon tue monsieur avec tout soldat yon. Donc, ça c'est une partie ou bien c'est yon quartier qui décide de lui-même la faire résistance. Mais combien de quartiers kap ka faire résistance là? Combien de quartiers kap kapab camper en face bandi yon? Combien de quartiers kap kapab di lui-même? Les pap accepte pour vin installer bandi dans la figure là. Combien quartier vous pensez qu'il a fait ça? Et conseil de zone dans Pétionville, je ne dis qui finit gâté pour net. Nous songeons le mouvement Boakale, quand c'était soldat vite l'homme perdu. Nous songeons bagage ça. Eh bien, soldat, quand c'était soldat vite l'homme qui n'a qu'à retourner. Quand c'était soldat vite l'homme qui là. Il est retourné parce que espace là libre pour vous comprenez moi et territoire libre pour les territoires perdus sont maintenant libres pour les bandits. M'attendais et Dominique Dupuis qui c'est aussi actuellement représentante permanente Haïti à l'UNESCO et qui c'est actuellement là et représentante OK parti aidé à Red que yo voye dans conseil présidentiel là Dominique Dupuis m'a tendel k'a prononcé un discours sous podium UNESCO k'a lamenté k'a expliqué avec amertume la mort dans l'âme l'a expliqué situation qui gagne là en Haïti chaos qui gagne là en Haïti le chaos qui règne en maître des lieux en Haïti l'a expliqué ça son bagage catastrophique sous podium UNESCO l'a expliqué l'a prolaté ça k'a passé là ça qui gagne là. Mais bien que c'est pas un secret pour personne non pour aucun monde écouter la expliquer ça non parce que les images sont là les vidéos sont là vous comprenez moi information là est disponible moun yo wè ça k'ap passé dans pays yo wè comment nous mon pays a qui livre qui a feu et a sang la carte d'Haïti ça brûle aujourd'hui
Ça va briller encore, non, ça va brûler. La carte d'Haïti. Moi, je vais dire Dominique. Dominique Dupuis, qui est actuellement représentante et permanente Haïti à l'UNESCO, qui a expliqué, qui a bail détail. Je vous remercie et j'aimerais donner la parole maintenant à Son Excellence, Madame Dominique Dupuis, représentante au Conseil et ambassadrice et déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues, durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO, dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5, alors que tous les outils nécessaires à cette paix subissent chez moi un assaut sans précédent. Alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps. Que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confrontée à l'indicible, j'ai considéré me taire. Me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur. Me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute, de vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussés, ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social. Vous la lisez déjà dans vos journaux. Vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir. Vous la voyez déjà sur vos écrans. Vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encan de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi. Que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu effrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage, certains perdent tout. Leur maison, leurs repères, leur vie, certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre, ce fratricide, n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier. Que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques. Un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me tairai dans un coin, fermer les yeux, serrer les poings et attendre. Espérez que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui serait capituler. Être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdits de jouer, interdits de rêver, interdits de vivre. Complice des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles. Complice du sort des filles et des garçons violés en toute impunité. Complice du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus créer, plus vendre, ni leur œuvre, ni leurs rêves. Du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs. Des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée. Du sort des journalistes contraints à l'exil, vigiles de l'horreur, au péril de leur vie. Se taire serait abandonner, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme, trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince.
Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet, ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vies dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé, et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil, puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la directrice générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne acte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays, habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessalines, de Catherine Flon, de Suzanne Commer-Sylvain. Cette terre de la soupe Jomou, de la cassave et du compas. Cette terre du Capeka. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière. Car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. Merci, merci en pile, Aïbobo. Je vous remercie. Et puis, songez, hein, nous toujours disons, dans la situation qui est là, il y a des gens. Je me sauve. Ngone gen moun k'ap di c'est pas vrai. Gen moun k'ap j'ai yo di ba la k'ap plaide Dieu miséricorde, mouche pas vrai. Situation ça pa gen mettre son mouvement spontané, les bandits ont décidé mener propre bataille. Yo m'ap di c'est pas vrai. D'abord, depuis que les bandits te kon met tête yo ensemble comme ça. Depuis que les ou pensez comme si bandits te kon aussi à l'aise mettre tête yo ensemble, yo monter coalition et cetera, pensez le facile. On ban nèg, dame nèg yo nan même base. Tade oui, nèg yo nan même base. Yo nan échauffouré parce que intérêt yo pas même. Tant qu'on a grave. Gen équilibre ensemble avec si la plié tout en ça on a beaucoup écoute ba lui. Youn partisan youn a touyé partisan l'autre et cetera. Équilibre avec si la plié. Yo nan même base. Donc c'est pour montrer ça dit on ban nèg malgré nèg nan même base. Yo kon nan chi répète, kounya m pa besoin di on ban nèg yo chaque gon intérêt. Et puis, d'un coup, un bon matin, boum, comme une traînée de poudre, boum, comme une bombe. Et vous t'avez tout yon tête yon ensemble. Yon vine yon seul et même objectif. Et puis, vous mettez dans tête ou bandi ou bagon moun kap tele guide yon. Ou naïf en pile, sou ta pensé le comme ça. Et vous mettez dans tête ou yon pagé, comme si, non, sou bon ti monsieur qui prend conscience, nèg yon pap touye moun encore, yon pap dis, yon pap dat, donc ouè ap fè bon ti moun, et vrai. Et vrai. Vous pensez l'aussi facile. Moi, ouè, dans une vidéo qui viral, côté nèg arabe là, monsieur ta annoncé, je dis bien ta, monsieur ta annoncé, date installation Guy Philippe dans palais national. Arabe pas prudent du tout. Bon, on oublie, j'ai dit le comme ça. Monsieur pas prudent. D'ailleurs, monsieur, c'est une moun là, moun Petionville, la guéchaï soudol comme quoi, et ta Petionville yé là, moun Petionville dit, c'est monsieur que la cause. Gé côté, monsieur pas kamaché là, nous mette quoi, moun? Gé côté là, nan Petionville, si yo croisé arabe là, yabba monsieur qui bon, nous mette quoi, moun? Monsieur annoncé installation Guy Philippe pour vendredi kap vin là. Donc, selon nèg arabe là, Guy Philippe pral installé comme président vendredi kap vin là. Je dis qui joue jeudi demain. Mais oui. Guy Philippe pour le président. Ou bien, m'te pose question, m'di, est-ce que Arab décide de bailler une information selon lui-même? Ou bien son information bay Arab là pour le rapporter? Ça est important. Dans la bataille politique qu'a fait, tout pion important. Le nèg la décide d'avancer, on pion le compte pour qui ça l'avance. Le Arab la kapel font déclaration pareil, pas maintenant tête ou son déclaration anodine. Tendez bien, oui? Li gen raison d'être li. Li gen bien fond d'elle. Li gen raison de faire déclaration. Kounya, est-ce que déclaration sorti en dan clan Guy Philippe? Nous plus envie de dire oui que non.
Parce que arabe là, c'est pas n'importe qui, son nègre, Guy Philippe t'a accepté, mettez sous bord droit li. Pas bien dans Chok Saoun qui t'a passé dans ces deux villes de province, Guy Philippe t'es là, ou t'es ouais arabe là, t'es bon côté Guy Philippe. Ça veut dire son nègre qui a communication avec Guy Philippe. Son nègre qui a communication directe avec Guy Philippe. Kounya, est-ce que c'est dans militantisme, monsieur, li annonce ça, parce que le militant li même, ça l'a dit, pas obligé en vérité, mais là, on bagaye. Est-ce que c'est dans le militantisme, monsieur, ou bien monsieur puiser de la bonne source, qui n'est pas de la source puante? De ces deux-là, je n'ai plus envie de faire un petit calcrédit à ça, monsieur Dia. Parce que monsieur fait partie de Bot Guy Philippe. Ou là, monsieur dans Bot Guy Philippe. Donc, ou pas qu'à camper pour dire, monsieur, comme si. Pour t'a dit, monsieur mon cher, et ou fou, déclaration n'a pas fondé. C'est pas vrai, non? C'est comme ça le dit. Et si une jeune vidéo arabe, la gueule pour moi. Côté monsieur a annoncé, monsieur dit, mais qui le Guy Philippe a installé. Vendredi 22 mars 2024, là, qui se prend la journée mondiale de l'eau potable. A mes peuples haïtiens prennent le récit, cabré un petit goût de l'eau potable. L'eau potable, nous qui se président Guy Philippe, à 10 étapes. À 10 étapes qu'a installé dans le palais national. Que nous demandons tout le peuple, nous demandons tout le leader du quartier populaire, mettez ce peuple dehors. Le peuple n'a pas de pelle pour le peine avec ZAM. D'ailleurs, Vladimir n'a pas raison de faire ça. Si vous groupe voyou ou politicien traditionnel, si groupe oligarque corrompu, Vladimir n'a pas raison l'argent pour l'assassiner président Guy Philippe. C'est bien compté, mal calculé. En bien, Vladimir n'a pas raison, fois ça, on va assassiner tout le peuple haïtien. Parce que vendredi 22 mars 2024, c'est garçon pas campé, installation président Guy Philippe dans le palais national. N'a demandé quatre pays d'Haïti lever campé. M'a demandé tout ghetto yo lever campé. Jodi a chaque grain militant, chaque grain fanatique Guy Philippe qui nous connaît, oligarque corrompu yo mêlé à politique traditionnelle, fait assassiner sans nous pas couler pour grand merci. Sans nèg besap yo qui nous connaît. Mais situation nous gen là faut moi dire nous gon série de moun qui t'ai fait nouvelle. Tankou Andris Richer. Sénateur Richer ti grand moun ça, en pile là nous gen problème avec parce que son ti grand moun demi plaît. OK, ça fonne dit et bon, désolé fanatique Andricio, monsieur son tigre moun de mes plaies. Monsieur te comme ça pile vérité. Gan pile belle cause monsieur te comme dit. Et monsieur te prédit ça ouais qui gen là. Même Jean Michel Soukart quelques années avant 2021, 2011, depuis 2011 Michel Soukart l'a prêché, l'a prôné, l'a dit mais ça qui susceptible pour arriver là dans pays là. Tu pas de chambre vle tanel. Je dis à la moi m'avou. Et une question à poser c'est est-ce que gagne une issue à ça qui gagne là? Est-ce que gagne une sortie de crise? Est-ce que gagne ne serait-ce que un petit cal espoir, un petit cal? Est-ce que rester toujours? Donc moi avec chaque monde m'a parlé me toujours dit ou quoi n'a pas échappé. Ou gagne doit ignorer ça qui gagne là parce qu'on pas vivre li. Ou gagne doit prendre à la légère ça qui gagne là parce qu'on pas vivre li. Mais ouais, il y a une déclaration Maurice Jean-Charles de Feldi, elle dit nous allons manger terre. Oui. Déclaration ça là. Me garantis vous souhaitez gagner raison parce que je dire là, nous pas arriver dans carrefour, mangé monde qui pas obligé manger terre. D'ailleurs monde comme là pral nan mais ou pas ka joindre rien pour manger. M'a besoin de dire sous pas gain comme là du tout. Comprenez bien. Comme là gain doit nan mais ou soit pral joindre pour manger. Market fermé, boutique fermé, magasin fermé, bazar fermé, tout côté fermé. OK frère. Tout côté fermé lock. Comment kounya là comme vous pral meto non situation pour dire comme si ou pral fonctionner à terre là dans ça qu'a fait là. Pas gain moyen de fonctionnement là. Pas gain aucun moyen de fonctionnement frère. Pas gain. Comment on a fait? Qui ça n'a fait? Moi même le nous dans situation ça yo. Et j'aime toujours faire appel à la prudence, toujours mander pour prudent parce que situation ça volatile. Oui, faut qu'on cherche pain, ça c'est une plus gros obligation, faut qu'on cherche pain. Elle me dit pain quotidien, faut aller chercher qui côté lié. OK,
Mais c'est ou pas prudent. Parce que je dis là, la police pas en mesure pour sécuriser. Même yo, même policiers, ils ne sont pas en sécurité. C'est bien malheureux ce que je suis en train de décrire là. C'est bien malheureux. La police pas sentie en sécurité, voilà ou même on cherche sécurité dans mais qui est non mais la police. On est foutu, on est fini. Est-ce que gon espoir? Est-ce que n'a pas échappé? Qui moyen gain la vraie pour nous retirer tête nous en bas de l'eau ça agent il y a? Est-ce que nous gagnons en possibilité ne serait-ce que yon seul pour nous sauver la face? Restez connectés ensemble avec nous mesdames messieurs. N'a continué suivre actualité à Jean Lab déroulé pour nous porter le baou mais nous dit Pétionville tête en bas et mon chef gang yo t'al installé dans Bristou. Population dit li même la faire résistance li pap livre Pétionville bay bandi li touye ça mais kounya la pendant combien de temps population ça kakembe parce que jodi on a senti gon velléité pour que nèg ak fam yo pour yo faire on va pour fon varé tout coup sous Pétionville. A yo kite kote fièv la ya, nèg yo nan dra yo vini. Fièv la pa nan dra. Lò vin Pétionville ou vin fè, comme si ou vin fè un série de zak Pétionville sous prétexte que c'est moun ki gen kòb ki rete Pétionville, comme si un série de malheureux même lèm passe Pétionville m'ap gade, comme si ou pral di moun sa wè moun ki gen kòb yo. Sa lè di pou moun habite Pétionville, c'est moun ki gen kòb. Gen moun m'ap gade nan Pétionville la. M'ap gade kondisyon de vi moun sa yo, mwayen de fonksyonman moun sa yo, etat moun sa yo. Yo, madame, monsieur, l'important pile pour nous repenser bagay yo. Parce que nèg yo di ap mené bataille en faveur peuple, mais jusqu'à présent, moi, c'est peuple qui a foulé au contraire. Nèg yo di foi, ça c'est pour peuple là. Mais m'ap chache foi, m'bawel. M'ap chache bataille qui pour peuple m'bawel. Parce que ça moi qui a fait là moi c'est peuple là encore qui a souffri c'est lui même qui a subi et lui même qui a payé pour casser ça n'a aimé ouais on bataille vrai qui pour peuple n'a aimé ouais un groupe de monde vrai qui érige tête en sauveur qui érige tête en révolutionnaire qui dit OK il va mener une bataille et cette fois-ci ce sera pour le peuple m'en vie ouais ça ouais m'en vie vivre ou m'a fait confiance m'en vie vivre OK m'en vie vivre dans pays comme ça. Un monde qui campait qui dit lui-même bon c'est défenseur peuple haïtien et pas si là au cap dit c'est avocat peuple et pourtant nèg c'est avocat poche lié c'est poche lié l'a défendre et cetera depuis poche lié gen fatra la donne bon sortant dit là et Jean Moun yo kon dit ba là wa pa bo pèl président pa wa pa pa le président pa bo pèl ou comprenez moi et pas moun ça on besoin nous besoin monde qui veut engager tout bon qui dit lui-même bon pas peur pour mourir pas gen problème il pas gen problème pour mourir mais l'essentiel c'est que la batte pour libérer peuple là tout comme faisait Dessalines savait qu'il pouvait être tué qu'il pouvait se faire tuer mais il a quand même accepté de mener une bataille vous comprenez c'était quand même accepté mener une bataille au péril de sa vie et il a payé ça au prix fort faut mettre ça en tête il a payé ça au prix fort. Vous êtes connectés ensemble avec nous. Haïti Réflexion, c'est notre channel là. Et puis, Esdras Fizeme, je suis content d'informer ou je suis content pour tes actualités à bas. J'en ai toujours fait comme d'habitude, comme de façon coutumière. Merci à vous-même qui toujours été fidèle avec nous. Donc, tout autant, tête pour couper, nous espérons mettre chapeau. Bye bye tout le monde. Nous vous croisons prochainement pour une autre vidéo.